Elle est partie avant l'aube. Elle voulait rentrer chez elle au cas où son beau poulet lui téléphonerait en revenant de son quart de nuit. Notre deuxième conversation en attendant un taxi en 2 jours. Elle essayait de me faire comprendre que c'était fini. Une frasque d'une nuit. La dernière mode chez les filles à cette époque, c'était bien les types qui passaient leur semaine à attendre à côté de leur téléphone. Je sais pas pourquoi j'ai pas pu prendre ça au sérieux, pourquoi j'ai pas pu m'y faire. Après toutes ces caresses, nous avions entamé un dialogue qu'elle ne pouvait pas clore en montant dans un taxi au beau milieu de la nuit. Elle m'a dit que je lui plaisais, qu'en d'autres circonstances, à un autre moment de sa vie, sur une autre planète, quelque chose aurait pu se faire. Mais, a-t-elle ajouté, nous devions nous montrer raisonnables. Elle aimait son flic. Elle n'allait tout de même pas bousiller sa propre existence à cause de la manière dont je plissais les yeux en souriant. J'ai souri. Didn't